Bonjour, bonjour à tous, c'est Roll Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Millenia, pour la suite de l'aventure, bien sûr, sur ce jeu, où il est grand temps. Oula, d'ailleurs, on est à 5 en rouge, là, c'est peut-être pas bon. Peut-être pas positif que ce soit rouge ici. Elles sont trop développées. À voir qu'on s'occupe de ça. En tout cas, 1254 pièces d'or, on est riche, et on est parti pour la guerre. Nous sommes partis pour la guerre, enfin, dès qu'on a redescendu nos troupes, celles qui sont là-haut, là. On part pour la guerre parce que parce qu'il faut attaquer les Brésiliens. Il faut attaquer les Brésiliens. Je remontre un petit peu où est-ce qu'on en est. Ici, comme on peut le constater, tout le bas de la carte est protégé par la mer. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qui veut dire que moi, je suis tout au sud. Et si je veux m'étendre, il faut que j'aille vers le nord. Et le nord, on a les Brésiliens à droite. Et on a les Allemands un tout petit peu plus au... ils ont récupéré Thanos. Ils sont récupérés. Et on a les Allemands juste après. Puis après, il y a les États-Unis. Donc nous déjà, là pour l'instant, on va devoir s'occuper des Brésiliens pour pouvoir continuer de se développer, s'enrichir, etc., etc. Hein, et avancer dans le temps. Nous sommes en 800 après Jésus-Christ. Et je pense qu'on va partir sur une bonne petite guerre là. Hein. Nos unités en plus, elles sont pas trop mal, elles sont améliorées. Je pense qu'on est bien. Je les ramène et on attaque les Brésiliens. Tac. Toi, tu viens pas ici. Au niveau technologie, enfin religion. Responsable de la France, on a 19 adeptes. Bon, c'est bien, ça se propage déjà. L'islam est à Rome. Les Russes qui ont bien développé l'hindouisme. Hein. Très bien, on verra tout ça plus tard. On est en train de faire l'armée de métier qui est là. Faut que je me rappelle parce que moi c'est pas dans la foulée. C'est quoi suivant? Continuer de les faire explorer. C'est vrai que, en fait, il faudrait que j'arrive au nord du continent pour qu'on ait vraiment toute la vue sur sur le territoire et qu'on voit ce que ça donne, quoi. Parce qu'il y a d'autres pays, hein. On est 8, je crois, si je dis pas de bêtises, et pour l'instant, on est que 4. Donc, il y a probablement deux continents de 4. Donc, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Et du coup, on a fini tout ça là. Donc ça, c'est parfait. C'est dommage parce que j'ai perdu les bois maintenant. Pensant qu'on pouvait faire une révolution, mais au final, on ne peut pas. Ce qui veut dire que les prochains points de gouvernement qu'on est en train d'accumuler, on prend combien? On prend 6. 6 par tour. Il faudra qu'on les prenne pour intégrer les cités-états qu'on a capturées. Pour en faire des nouvelles villes officielles. Ça va être plus que nécessaire. Et aux cultures, bah, dans 6 tours, on a 18 points. Là, on verra ce qu'on fera. Ce serait bien que... ce serait bien qu'on ait une nouvelle ville avant... avant d'avoir ça. Comme ça, on pourrait créer une ville. Ouais, on verra. Hein. On verra. On va revenir dans la capitale. À l'UTS, on est en train de construire un QG qui nous donne des points de religion. Alors, je sais pas ce que c'est des points de religion. Faudra voir. Population religieuse mondiale. 239 sans religion. 50 bouddhistes, hindouistes, pardon, 24 bouddhistes, 19 christianisme. Très bien. Très bien, très bien. Et j'ai 50 et je gagne plus 10 points en développement, enfin en aménagement aussi. C'est assez énorme. C'est vrai que l'UTS aussi va... Ah, c'est là, 143%. Fois 10 sur 7. Ah, c'est les besoins du niveau 15 et plus. La foi. Au-delà de 5 a besoin de 1 de fois, si les besoins de région sont manifestes, sa population est... À 12 tours, là, ça devrait le faire. Fin de tour. Fin de tour et voyons. Alors. Que va-t-il se passer? J'ai 60 points, ouais, mais je sais bien, mais le problème, c'est que je peux rien faire. Et que je ne peux rien faire. C'est parti. Là, on est rentré avec eux, c'est plutôt positif. Tu vois. Je peux rien faire en fait. Je peux rien faire de ces points parce que j'exploite tout. Là, j'ai le camp. Là, j'ai les mines. Là, j'ai le pâturage. Là, j'ai la plantation. Là, j'ai
station. Là, j'ai la carrière. Là, on a les bateaux. Là, on a une taillerie. On peut faire quelque chose. Récolter bateau de pêche. En plus 5 en nourriture pour Marseille. Marseille qui se développe fort aussi. Marseille qu'on est en train de, on est en train de construire. D'ailleurs à Lutèce on a une production assez énorme. On est à 48. Ce qui fait qu'on a construit globalement tous les bâtiments qu'on pouvait et qu'on est sur le point de finir de construire tout ce qu'on a actuellement disponible. Et j'aimerais bien en vrai finir les constructions. Pour que derrière Lutèce, ce soit juste les nouvelles constructions qu'on débloque et les améliorations, etc. Et après, ce soit de la production d'armée, quoi. Parce qu'en l'argent, on gagne 38, on pourrait avoir une puissance militaire bien plus élevée. J'ai l'impression qu'on arrive au nord. Ah, j'ai le marchand aussi. J'hésite à l'emmener à Tripoli. Je vais l'emmener à Tripoli. Okourouk. Et après pour la propagation de... Qu'est-ce que j'allais dire? Après pour la propagation 2. C'est une excellente question. Je sais pas ce que j'allais dire. Intégrer un vassal. Faire son processus d'intégration. Ouais, ça ne nous sert à rien. Ça nous sert... Ah ouais, c'est ça, pour la propagation du christianisme. Ça, je sais pas encore comment on peut le propager dans les autres territoires. Apparition d'artistes. Pour accélérer votre culture et créer des œuvres d'art dans une capitale. Propager la religion. Promouvoir votre religion d'état dans une région étrangère. Il faudra qu'on teste. Gagner 20 christianisme et 30 victoires. Il faudra qu'on teste. En art, on gagne plus 2. C'est pas énorme, mais bon. Marseille. Marseille, on a fini de construire la tour de guet. La tour en pierre. Marseille, les besoins sont... Bon. Est-ce que je construirais pas le stade? Ça diminue la répression. Ça augmente la culture et l'expérience de guerre. Là on est à 1,5 hein, d'ailleurs. Peut-être faire un garde de la ville. Que je vais payer direct. Ah, parfait. Et je vais faire un stade. Comme ça. Là on a deux gardes. Ici on a deux gardes plus un émissaire, mais l'émissaire intégrer un territoire à saluter, un bonus d'intégration, vous pouvez convertir en région plus rapidement. Ah mais vassaliser une nation. Ah oui mais c'est ça, vassaliser une nation mineure, mais ça me sert à rien. Parce que déjà autour de chez nous on en a plus. En plus ça me sert à rien. Ok. Expansion de Marseille. Bon là on va rester comme ça. Vos troupes sont trop proches de nos frontières, nous vous conseillons de les envoyer ailleurs. Oh bien, on a découvert une nouvelle cité barbare. C'est extrêmement positif. Ah, ils commencent à nous menacer les pécores là. Bah écoute, il va falloir que tu te calmes parce que moi je peux te dire une chose, c'est que ça a mal. Je te préviens. Malheureusement pour toi, tu vas disparaître. Tripoli, intégration, c'est 38. Je sais pas si je prends Tripoli en premier. Parce que Uruk... tu vois, si je prends Tripoli, après je construis une ville là. Comme ça, je prends les deux olives. Et si je prends Uruk, il faudrait que je prenne l'or pour construire une ville ici, pour aller chercher ce qu'il y a là. Et la revendication de territoire, j'aurai. Donc je pourrais agrandir une zone si nécessaire. Bah on verra. Ça va pas être évident d'aller se faufiler là-bas, mais... Tripoli. Tac.
Tripoli, ici, déploiement. Augmenter la prospérité pour chaque tour. Ah, le souci, c'est que là, la prospérité, on est déjà au max. Ah, Lutèce, on a fini le QG. Alors, le QG rapporte 1 d'expérience, plus 4 en... Plus 4 ici. Plus 4 avec le QG. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Je vais construire la... Je vais améliorer la tour parce que... Parce que on va partir en guerre. Hein. D'ailleurs, du coup... Là, ça se propage pas pour l'instant. Il va falloir qu'on fasse de l'art. Hein. Enfin, de la religion. Fort. Hein. Fort, fort. Hein. Vos troupes vont abuser de notre patience. Nous allons faire ce que nous... Combat autorisé en territoire d'être. Alors là, mon grand, c'est pas la vérité de ton côté. On attaque le camp barbare qui est juste ici. C'est parfait, c'est pas moi le responsable. 25 de production à Marseille ou 10 de chaos. Apparition d'un explorateur. Ah, l'explorateur c'est sympa, mais en fait j'ai pas envie de prendre le chaos pour l'instant. On va prendre la prod à Marseille. Lucas, on a fini, on va faire le tour de garde. Tour de garde. Par contre, j'ai toujours pas... Je me rappelle plus comment on fait pour... Je me rappelle plus comment on fait pour... fabriquer des tours, là. Vous savez, il y avait un truc comme ça. Je me rappelle plus. Et les réserves, marche. 44. Ouais, c'est 85, mais c'est cher. Une naissance d'une religion. 1 sur 2. Je sais plus comment on fait déjà pour pouvoir fabriquer un avant-poste fortifié. Parce que là, on a fait un avant-poste tout à fait classique. Ah là, on peut faire un château. Oh, c'est trop intéressant. Ben, je vais partir sur ça. C'est quoi déjà? C'est pour faire un avant-poste, ça? Alors attendez que je regarde comment on fait déjà ça. Apparition d'un pionnier pour construire des avant-postes. J'ai 173 points. Je vais faire un pionnier. Je vais le mettre ici. Et je vais aller mettre un avant-poste par ici. Un avant-poste fortifié par ici. Et après, en plus, normalement, on peut transformer. On peut transformer un avant-poste. Ouais, non, c'est pas ça. C'est peut-être ici. Transformer un avant-poste. Absorber un avant-poste. En ville. Pas mal. Ah, Paris, Flutès qui s'étend par ici, c'est parfait. On va pouvoir. Proposer l'ouverture des frontières, ça me plaît. Avec les États-Unis, parce qu'on a nos gars qui sont partis au nord. Ça me plaît plutôt pas mal. Je vais... Je vais la mettre ici. Ça, ça va bien s'étendre. Et après, on fera une ville qui viendra ici et une ville qui viendra au nord, là. Ce sera un bon petit avant-poste. Et du coup, les unités qui arrivent par le nord, là... Elles seront en protection. Ah, Olympie. D'ailleurs, mes unités, là... Des fois, ils oublient de nous proposer de bouger, quand même. Prendre la mer pour pouvoir aller un peu plus vite. Parce que c'est... fin de tour, probablement pas. Parce que j'ai envie de regarder... Apparition de colons. Mais c'est... Ah non, c'est ça, pardon. 38. C'est pas mal. Du coup, on va prendre Tripoli, plus l'avant-poste ici, ça va nous faire deux cités de plus.
Et on va pouvoir investir là avec les points. Et on va directement récolter ici une mine. Une mine! Baisse par contre en. Et c'est pas grave, en vrai ça retarde juste notre développement et moi je veux bien parce qu'on est déjà niveau 15, c'est pas grave. C'est pas mal. Innovation code de maille. Procédé complexe de maillage de fil de fer visant à créer une armure. Cette dernière protège mieux son porteur dans les lacérations et les perforations. Les armées de France bénéficient ainsi d'un meilleur avantage défensif. Chevalier de l'ordre, plus 5 d'attaque et de défense ou 600 pièces d'or. Chevalier de l'ordre. Je vais prendre l'ordre. Là, je vais construire un avant-poste. Je vais le faire en château. Un château a été construit pendant l'âge des rois. Plus 22 cultures. Attaquer. Trop bien. Alors, par contre. Comment on exploite le terrain? Je peux pas? Normalement, on peut. On peut pas avec le château? Et là, on peut faire comptoir d'échange. J'aurais dû construire avant. Valide, cet avant-poste ne borde pas votre région. Ah, très bien. Bah, écoute, on est content. Et là non plus, ça borde pas ma région. Pourtant, on est collé ici, là. D'accord, on peut pas faire ça. Bon bah du coup on est un peu déçu. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va intégrer. On est à combien? On est à 37. Ah dommage. Il manque un. Ah dommage. Dommage, il me manque un. Parce que j'aurais bien fait. Je peux? Ah je peux créer une ville? Ah bah c'est étendu déjà là. J'hésite. Est-ce que j'ai le temps pour faire la ville ici? Comme ça, on va chercher l'or. Parce que là, on va commencer à produire des unités. Ça va commencer à coûter de l'argent. Comme ça, on a le plus 4 en or. Attends, mais il y a du thon, y a du thon sur la map ici, là, comme ça, sur le sol. Non, je vais faire là-haut. Arras. Ah, c'est construit. Proximité de Tripoli. Par contre, je suis un petit peu déçu du coup. Mais c'est peut-être au prochain tour qu'on pourra, mais. Lié à Lutèce, bah ouais, ça m'aurait bien plu. Attendez, on va tester. Ça utilise des points à chaque fois. Et du coup, ça m'arrange pas parce que j'aurais bien fait, j'en aurais bien fait une ville de ça. Cet endroit-là. J'en aurais bien fait une ville. Hein. Avant-poste présent sera détruit.
Je vais voir du coup du test. Là, normalement, j'ai du riz. Ici, j'en ai pas. Donc, escalutès, j'ai du riz. J'ai du riz. Ce qui confirme que même si c'est un château, ça fonctionne. Ça mène 2 de richesse. Ça nous sert à rien. En vrai, il nous faudra plus de nourriture. Ok. Ah, c'est le blé qui donne de la nourriture. Ouais. Richesse de prod. Une laine et 3 viandes. Ça me coûte quoi pour faire ça? Attends, mais c'est pété. Je gagne à chaque fois de la culture, j'ai l'impression. Alors, je perds de la culture. Ça me coûte de la culture, d'accord. Ah, mais ici, ça a été une bonne ville, hein. Attaque de 23, fournit une unité défensive, défenseur de donjon, milice de la ville 4. Et du coup, on peut pas l'intégrer. C'est frustrant. C'est frustrant, c'est frustrant. À la limite, si je peux pas l'intégrer, j'irais bien l'installer ailleurs, quoi. L'avant-poste. Peut-être plus par là. Parce que ici, je me vois pas faire une ville. Et comme ça, ça me permettrait d'avoir de la nourriture que j'envoie à Lutèce. Parce que là, on aurait 3 de nourriture et ça, c'est du riz, enfin du blé. Et on aurait du coup 3 nourritures supplémentaires aussi. Et la question, c'est est-ce que je peux revendiquer un territoire à côté de l'avant-poste? Non. D'accord, je comprends. Bah, attends, vous savez quoi? On aura perdu un peu de points, c'est pas grave. Je vais l'emmener par là. Je vais l'emmener par là. Tac. Ça fera un avant-poste sur la droite. Et de ce côté-ci, on va plutôt produire une ville. Alors, ce sera pas maintenant parce que je vais d'abord intégrer Tripoli. Mais ok. Très bien. Lutèce. Catapulte, ça pourrait être utile d'en faire, hein, de la catapulte. Et je veux d'abord finir. 10 tours. 10 tours et on a fini de construire tout ce qu'on peut construire à Lutèce. Je pense que c'est pas mal. Marseille, on est à ça. Ok, suivant. Très bien. Et les gars qui sont... Très bien. Ça avance plutôt pas mal. Eh, je commence à comprendre. Je commence à bien comprendre. On n'est pas ici. Bah, vous savez quoi, vous? Vous allez attaquer par le nord. Vous allez prendre Maligny, là, qui sert à rien. Puis Kurita. Et eux, ils vont attaquer par là, à droite. Et ce serait bien que j'ai une armée qui est là pour aller, qui est là pour aller chercher Syracuse. Ça va nous faire full terre. Mais... J'ai oublié de récupérer les Tripoli. On va le faire dès maintenant. Tripoli. Intégrer Tripoli. Alors, il y a la plantation, il y a la plantation, il y a la plantation, il n'y a pas la plantation. Bouge pas, mon grand. Alors, par contre, il faut que je récupère ça avant que ce soit Uruk qui le prenne. Donc, je vais revendiquer. Pour Tripoli. Ça. Voilà. C'est plus que nécessaire.
Après, ça va se propager. Récolter, c'est quoi ça? Ça va ça? Du lin. Blé, plantation, lin, richesse et nourriture. Ok. C'est plutôt pas mal. Alors du coup, à Tripoli, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est intéressant. On a deux de lin. On pourrait fabriquer soit ça, soit ça. Je pense qu'on va partir là-dessus parce que du tissu, on en a déjà. Importation étrangère. Coup de base 8. Je sais pas c'est quoi le coup. Par rapport à quoi. On va fabriquer du coup. Tac. Alors, ça va être cuve. Pas du tout. Pressoir. Lin, olive. En huile de cuisine. Je vais le fabriquer ici. À côté du lin. Bon, à la limite, on pourrait le mettre entre les deux. Hein. Ça, on a les deux de lin, ils sont là. Et au milieu, t'as la production du truc. Ça, c'est très très bien. Raisin. On pourrait faire du tonneau, mais je vais pas avoir assez, à mon avis. On va regarder. Ça va pas être le four. Fourneau, quartier, pressoir. Ah non, cuve. Deux de raisin. On en a qu'un. Là, on pourra pas. Il faudrait que je m'envoie du raisin. J'en ai quelque part du raisin. J'en ai là du raisin. Vitesse à du raisin. Je l'exploite pas. Sélectionner l'importation, l'exportation nationale. Attendez, on va exploiter ça du coup. Où est-ce qu'il est? Raisin, je vais mettre un truc, un gars au raisin. Je perds peut-être en prod, mais j'ai pas vu ce que j'ai perdu. Très bien. Et là, je veux exporter du raisin. Confirmé. Sélectionner une région à Tripoli. Ok. Et du coup à Tripoli, on a deux de raisins. C'est incroyable, trop bien. Trop bien. Et du coup à Tripoli, on va construire la cuve. Non. Si, la cuve. Deux raisins. En vin. C'est ça, hein. Le raisin se transforme en tonneau de vin. Très bien. Et du coup, on pourra faire ça à condition. Raisin au riz. C'est possible de créer. C'est encore un cran au-dessus. Ah d'accord, il me faut deux cuves. Donc il me faut quatre raisins. D'accord. Il me faut quatre raisins. Il me faut quatre raisins pour faire un de culture. Là du coup je l'ai pas le culture. Dommage. Bah si j'en ai un. Et je pourrais faire encore un mieux. Je comprends pas en fait. Très là mon raisin est bien utilisé et transformé en tonneau. Après on marque ça. Raisin au riz. Ah d'accord, c'est raisin au riz ici qui devient. Ça marche. J'ai l'impression que ça marche, hein. C'est juste que je comprends pas. Très bien, bah écoutez, on est plutôt content. Ici, ça peut être une zone, ça a l'air d'être quand même très ferme.
Ça a l'air d'être quand même très ferme. On va juste améliorer parce que c'est à proximité. On va améliorer ça. Donjon. Rempart de niveau 3. Non, ça prend. Je vois, mais c'était l'argent de 2000. Ok. Je vais construire ça. Ok. C'est intéressant. J'aime bien. Ah, recherche terminée. On a agrandi la taille de nos armées. On a quoi? Armurerie. Caserne. Au moment de la création d'unité, cavalerie. Hein, hein. Ah, un d'XP de guerre au moment de la création des unités, ok. On peut faire des épées longues et des piquets. Pas des piquets. Très bien. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je sais plus sur quoi je voulais partir après, mais... féodalité. Je crois que c'était féodalisme. Ranch pour le pâturage. On peut améliorer du coup. Cuisine. Citadelle. Avant... Ah, aménagement d'avant-poste de château. Petite ville dont les travailleurs et fermiers travaillent pour le château à proximité. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Bah vas-y, on part là-dessus parce qu'on est parti faire... Oh, c'est trop bien. Le jeu est vraiment bien. Mais... Je vous le dis. Je le pense. Hein. Vous. Revenez par ici. Très bien. Toi, tu vas partir quand même continuer l'exploration. De nouvelles de l'étranger. Allemagne et Brésil sont maintenant en guerre. Ah! C'est une bonne nouvelle pour moi. Lutèce a fini son théâtre. Ah, du coup, je peux améliorer ma caserne. Campement en caserne, ouais, d'accord, ok. Donc au lieu, en fait, on a la même chose, 1 XP de guerre par production, sauf qu'au lieu de 10 expériences de combat, on gagne 20. J'ai combien d'argent? 1009. Vas-y, je le fais et après je fais mes unités. Là, on va être arrivé. On va être arrivé, on va s'attaquer à Maligny. Du coup, je peux agrandir. Il faudrait que je mette une catapulte dans les unités. Je continue vers le Grand Nord. Je veux vraiment voir ce qu'il y a au max. Je m'étonnerais qu'on ait une cité barbare, là. La crise de l'âge de l'intolérance s'intensifie au fur et à mesure que vous négligez les besoins en foi de votre nation. Si elle atteint son paroxysme, vous n'aurez pas d'autre choix que de définir l'âge de l'intolérance comme futur de votre nation. 12 sur 20. C'est quoi ça? La crise de l'âge de l'intolérance. Besoin en foi de ma nation? Attends, mais je suis bien. Ah, Marseille n'a pas de foi. Charge la crise de l'intolérance est équivalent à supérieur à 20 en possession de 12. Plus 3 de charge de crise de l'intolérance. Fois 1 Marseille. Bah d'accord, mais c'est dur. Attends, construire. Y'a rien qui me donne de la foi là? Bonjour. Ah ouais, mais moi j'ai construit les bâtiments. Comment je fais pour donner de la foi à Marseille? Ah mais j'ai pas les bâtiments. J'ai pas les bâtiments, c'est ça qu'il me fallait. 4 de christianisme. Ah, ah! Du coup on va être dans l'âge de l'intolérance. On va basculer ici. Ah ça va partir en crise. Ah ça peut être sympa. On est pas mal là dans la partie donc... Ça peut être sympa. En fait, il faudrait que Marseille...
La population diminue. Culture. Il y a une nouvelle ville. Propagande. A vu le chaos en mettant en avant une version officielle des événements. Pouvoir culturel. Une nouvelle religion. Un Eureka. 48, je gagne 11. C'est x4. On divise par 2, il me resterait 5 tours quoi. Là j'arrive à 15 au prochain tour là. C'est énorme en vrai, putain, j'avais pas fait gaffe. Je préviens à la moitié, mais bon, ce serait bien de prévenir au moment où ça démarre en fait. Je peux créer une nouvelle ville, je vais créer une nouvelle ville à Tripoli. Je peux rien faire de particulier donc. Voilà, il faudrait que je change ma foi. Que j'aille là-dessus. Quatorze tours et que je fasse un Eureka. Passe à 9. Bah, tant pis. Ah, on va pouvoir faire un colon. Ah, ça peut peut-être nous sauver. Prochain tour, on fait un colon à Marseille. Comme ça, ça va diminuer la population et le nombre de... 3-0 sur 3. 3-14 sur 10. Les besoins de foi vont disparaître. Et vont revenir, mais ça va peut-être réinitialiser du coup. Ah, ce sera la tentative. Ah bah, je ne peux pas vous en dire plus. Les Allemands. Et la question c'est... Est-ce qu'on peut voir dans quelle situation sont les gens? Ah, c'est là en guerre. Guerre déclarée. Donc l'Allemagne elle est en guerre contre les États-Unis et le Brésil. On était à 12, on va voir si on monte à 15. Du coup. Ok. Apparition d'un colon. Et ça nous a pas aidé. En plus, le prochain tour. Aïe. Ça commence à faire mal. Répression. Ouais, ça donne pas de. Ah, attendez. Des blocs reliquaires. Sur les jeux, d'hérétiques. Ah non, dommage. Putain, le QG militaire, j'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire à Marseille. Ah, j'aurais dû faire le QG militaire à Marseille. Enfin, le QG. Ouais, le QG militaire à Marseille. Reliquaire. Ah, c'est pas mal ça. C'est un bâtiment x plus 5. Marseille. Construction. Reliquaire 10 tours. Je peux le faire. Yes, oh, je suis content d'avoir économisé. Du coup, ça va nous donner la foi et on va répondre aux besoins. Normalement, on est bon. Pas pris en compte, mais normalement, bon. De toute façon, j'ai encore 2 tours de marge. Enfin, 1 tour où je peux sécuriser. Donc, normalement, ça devrait le faire. Là, le reliquaire est construit. Demande de besoin plus 5 fois. Non, c'était pas ça qu'il fallait. Là, du coup. Ah merde! Ah, il demande encore plus de fois. Ah, mais j'étais pas prévu ça. Ah! Ah bah non, rien. Écoutez, ça va bien se passer, hein. Ça va bien se passer, hein. Putain, je viens de dépenser 1800 dans le vent. Merde, c'était pas ce que je pensais.
faire une tour de garde pour limiter la répression. Ok. Propager la religion. Ah, je peux peut-être faire ça. Gagne 20 en christianisme. Gagner 30 France à une religion, gagner 30 de christianisme, moins 10 agitation sur 5 cibles. Oh, je viens de faire une boulette là. Là, je viens de dépenser. Gagner 30 en christianisme. Très bien, il faut que ça parte un peu en cacahuète. C'est quoi ça? Ah bah c'est un colon du coup. Bah du coup le colon, on l'amène là-bas. Il aurait été mieux à Kraganor, mais... Tant pis. Vous dormez. C'est l'américaine qui est là. Lutèce, on a fini. On pourrait faire un reliquaire. Plus 14. Ça peut être pas mal de faire le reliquaire en vrai. Là on est à plus 14. Alors qu'il demande plus de villes ou développez-les avec le pouvoir du domaine intégré des domaines. Chaque niveau de région. Attends. Redescends. Si je regarde. C'est ça que je voulais voir. On a 14 sur 10. Donc là, on répond aux besoins, mais c'est plus 5, donc ce serait 14 sur 15. Ne pas faire ça. Ne pas faire ça. Bah écoute, on va construire le donjon parce que... Parce que ça peut peut-être partir... Non, je vais construire des unités. Je vais construire catapultes. Pour commencer à les mettre dans mes armées. Là, ça va partir en cacahuète. Du coup, on aura peut-être pas le temps d'attaquer le Brésil. Mais bon, c'est le jeu ma promissette. J'aurais peut-être dû... Je devrais emprunter la voie de l'âge de l'intolérance. Ouvrir une ambassade. C'est l'ambassade brésilienne. Bah, j'ai sa foi et c'est pas ce que je veux. Je vais peut-être descendre là. J'ai 66 plus 11, c'est sympa, mais le problème c'est que... Le problème, c'est que j'ai rien à construire en fait. Si on pourrait refaire un camp de bûcheron là. On pourrait faire encore de la prod. C'est pas bien rangé. Hein. L'atelier de scribe. Ah, ça va nous sauver. Converti. Deux de papier en deux de textes religieux. Ça donne 6 christianismes et un luxe. 28. J'ai combien? Putain, j'ai 38. Ah, j'aurais dû le voir avant. Parce que j'ai pas de production de papier. J'ai pas de production de papier et du coup il faudrait que je fabrique d'abord du papier. Papeterie c'est 26. Un rondin en un papier.
Ah, j'ai 2 fois 26. À Lutèce, j'aurais pu fabriquer du papier pour l'envoyer à Marseille. Ça nous aurait permis de faire ça. Oh la vache, je suis dégoûté. Je l'ai pas vu. Alors qu'on a accumulé, on savait pas quoi faire de ces points. Ouais, on apprend. Hein. C'est bien, ouais, c'est dans des cas comme ça. Quoi. En Lutèce, il a fait sa catapulte. Je vais en faire pas d'autres. 15, 22, 32, 26, 50, 35. 50, ah, un peu plus de morale. 30 en déplacement. 40. On souhaite à la 6. Je vais faire, hein. Je suis obligé de toute façon. À la catapulte, je vais aller la mettre dans l'armée qui est là-bas. Cette armée-là, on a un chef, bon, le marchand, non. Hein. C'est dommage que ce soit mis dans l'armée, le marchand. Pot de vin, utiliser un canevas pour la dissoudre. Ouais, au pire, on pourra utiliser un pot de vin pour le mettre sur. Et là, du coup, déploiement de marchands allemands. Toi, tu continues ton déplacement. Hein. L'objectif, c'est toujours d'aller s'installer à un petit château là-bas. Les nouvelles de l'étranger, l'Allemagne et le Brésil ont mis fin à leur guerre. Et au nord. Alors, du coup, on va passer dans l'âge de l'intolérance, obligatoirement. C'est dommage. Hein. La crise de l'âge a éclaté si notre nation contrôle le futur, elle sera sombre. Vous avez une population d'au moins 16 dans l'une de vos régions, à Lutèce. Lorsque la population dépasse 15, les régions de développement des besoins de luxe. Le luxe peut être satisfait principalement en important ou en produisant des biens de luxe. Les livres et les bijoux génèrent du luxe, comme tous les biens produits par un aménagement plantation. Contrairement à d'autres besoins, le luxe ne tombera jamais en dessous de 100%. Ce n'est qu'un bonus. D'accord. Ah, du coup, là, à Lutèce, on est bon, quoi. À Lutèce, on est bon. À Lutèce, on est bon. Ah, ça veut dire que si c'est moi qui fais passer... Ah, d'accord. En fait, on n'est pas obligé. C'est juste que moi, je pourrais pas passer à l'âge de la Renaissance. Moi, je suis obligé de passer par là. C'est-à-dire que si je veux pas passer par là, il faut que j'attende que l'IA passe à la Renaissance ou fasse un autre âge avant moi. Parce que du coup, ça débloquera son âge à lui. Ah, donc c'est pas dramatique, en fait. Ça va. Et vu que c'est pas dramatique, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire la production qu'on s'était dit. Toi, tu vas te prendre ça. Du coup, si c'est pas la catastrophe. C'est pas la catastrophe, tout va bien. Là, je ferais bien passer à un chef en vrai. Mais... Suivant. Ouais, la rue, en fait, c'est parce qu'il sert plus à rien là-bas. Vise de prospérité. Bon, on est au max, hein. De toute façon, la prospérité, c'est 300%. Déplacement. Toi, tu continues ton déplacement. C'est pas mal, je suis assez content. Je suis assez content. Donc là, ce qu'il nous fallait donc, c'était de faire la papeterie. Papeterie. Ça diminue notre production pour un papier. Bah en vrai, non, on n'est pas obligé.
On va pas s'embêter avec ça puisque du coup on va construire les bâtiments. C'est pas fou. Ce qui veut dire que là on pourrait se mettre à attaquer au final. Les Brésiliens. On pourrait se mettre à attaquer nos amis brésiliens. Toi tu vas attaquer là-bas. Toi tu vas attaquer Suze. Toi là, toi là. Toi Suze. Oh, converti au christianisme, Syracuse. Changement par rapport au tour précédent, plus un ennemi. Je sais pas comment tu propages ta foi, mais concrètement. Mais bon. Toi, tu vas attendre du coup. Lincoln. Et à Lutèce, je produis une unité. À Lutèce, on va sortir du coup. Ouais, ah, là, tiens, je pourrais. Passage dans la forêt, il est interminable ici. Tu vas attendre ici. En ingénierie. Ah, après, du coup, je pourrais faire un pionnier qui installe un avant-poste dans la forêt, genre. Pour envoyer du papier. Non, parce qu'on peut pas construire. Juste pour l'avant-poste, c'est vraiment juste pour les ressources qu'on envoie. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut construire un comptoir dans la forêt? Parce que dans ce cas, ça me permettrait d'envoyer à Marseille quand même. Avec un avant-poste pour Marseille. Bon, vous savez quoi, on testera. De toute façon, on est là pour tester. Donc quoi, ouais, chevalier, chef, marchand, arbalète. Philadelphie est à 17, hein. 100 fois. Mais 17 tout de même. Alors, on a un chevalier de l'ordre. On va faire arbalète. Pour attaquer de loin. Ce serait bien de se faire un peu de cavalerie aussi. Les Spartiates, ils sont considérés comme quoi? Comme des piquets? Infanterie de ligne. Attaque contre type de cavalerie x2. On pourrait mettre un spartiate un peu dans chaque unité. Comme ça, on aurait un bon piqué. Il est à combien? 16 plus 24, enfin 16 plus 6, ça fait 22 plus 10, 30. 22, 30. 22, 32, bref. 22, 30. On va regarder. Ah, il est plus fort que les piques encore. Encore plus fort que les piques. Après, ils serviront plus à rien, on les transformera en chef. On pourrait se faire ça. Je vais les approcher. J'ai de quoi faire beaucoup d'armées quand même. J'ai un chef, un pic, un arbalète, une catapulte. Faudrait un chevalier en fait. Cette armée. J'essaie de me faire officiellement mes armées.
Ça va être long, c'est un partout, on va voir tous les deux tours, mais... On va essayer de se faire officiellement des armées qui vont tenir la route. Un arbalétrier que je vais amener pour l'armée qui sera là. 4 pour tout. Ça, après on déplacera un gars. Là je vais rajouter une catapulte ici. Et un chevalier. Je vais sortir un spartiate que je vais amener là. Tac. Il me faut une catapulte. Après, catapulte, ça coûte. Hein. Pour un entretien, ouais, en fait, non. En façon, je gagne 65. C'est colossal. Là, on a quoi? On a un chef arbalète. Il nous faudrait un chevalier, du coup. Ça, cette armée-là, elle est terminée. Toi, t'es arrivé. Je vais t'installer là. Il y a un camp de barbares ici, mais j'aurais pas la puissance. Avec les deux. C'est pour ça qu'il me faudrait des cavaliers. Hambourg est 16 aussi. Hein. Hambourg est assiégé. Un pouvoir culturel. On pourrait créer une ville. Faire un Eureka pour finir. Créer une ville plutôt. Ouais, pas mal en plus, on s'est étendu ici à Uruk. Soit je fais ça. Oula, il y a des barbares là. Oh là, il y a un camp de barbares ici. On va aller s'en occuper. Là, il s'est bien étendu et il n'y a pas de ressources à proximité. À part ça, aller chercher le poisson. Ah bien. Alors attendez, parce que du coup, ça tombe bien, parce que eux sont pas loin. On va s'occuper de qui sont là. On a 27 sur 20. Toi, ok. Toi, t'attends. On se prépare officiellement nos armées. Parce qu'on s'était un peu propagé n'importe comment. Il serait plus sage que votre nation se convertisse à notre foi. Mais il est sérieux, lui. C'est un refus catégorique. Quel déplacement. C'est pas ça. T'as pas besoin d'arbalète. Hein. Là, il y a une arbalète. Là, il y a une arbalète. L'arbalète, elle sera pour ici. Je vais ramener là. Ah mais attends, mais je peux attaquer. On a le droit de s'attaquer avec les Brésiliens là. Votre puissance 1028. Oh là. Oh là, je suis plus puissant. J'attaque là. Il est temps de leur montrer ce qu'on vaut. En plus, on a que du piqué face à la cavalerie. Oh, la vie s'était améliorée en plus. Hein. C'est du niveau 1. C'est pas du débutant. Ouais, t'as voulu. T'as voulu nous menacer, mon grand. Faut assumer. Il faut assumer. Et là, il y a les barbares qui nous embêtent un peu. Le problème, c'est qu'on peut pas attaquer avec ça. L'état de siège. On verra s'ils attaquent, mais je pense que ça devrait aller. C'est un chef barbare. Je sais pas si ça va aller. Je sais pas si ça va aller. Toi, tu vas continuer ton déplacement. Alors, du coup, alors attendez. Bilan. Là. Avec lui. Cette armée, on s'en occupe plus.
On a un piquet, on a un chef, on a une catapulte, on a une arbalète et ok, très bien. Toi. Toi, c'est bon. Mais toi, t'as pas de catapulte. Toi, je t'amène ta catapulte. Ah, ça va plus vite de passer dans la forêt? Ah ouais, bah écoute, si tu veux. Hein. Ah, ils ont fait une route! Oh yes, entre Amiens et Clermont. Oh, let's go! On va pouvoir traverser la forêt plus rapidement. Incroyable! Continue ton déplacement. Parfait. Toi, j'ai pas besoin de te boucher pour l'instant, pardon. Toi! On est à 83. Tu vas construire ça. Parfait. Et l'avant-poste, ce sera de la nourriture à envoyer à Lutèce. S'il te plaît. Merci beaucoup. Lutèce d'ailleurs. Lutèce a terminé sa construction. Alors attendez. Ici on est bon. Là on a la catapulte qu'on est en train d'envoyer ici. Et j'ai cette armée là. Donc, il me faudra encore une catapulte. Et je vais encore en sortir deux. Deux catapultes parce qu'après je me fais une armée pour aller à droite. Comme ça on aura 1, 2, 3. On aura quatre armées de conquête quoi. Et après, je me ferai une armée d'exploration. Quelques cavaliers qui surgissent de la nuit. Ce sera plutôt pas mal. Marseille. Marseille, Marseille, on va continuer de construire. Le marché. En fait, ce dont j'aurais besoin réellement, réellement, c'est de l'art. C'est de l'art. On va aller à Marseille, on va voir ce que je peux construire en art. Théâtre. Expérience en art. Monument. Ah, on peut attaquer avec. Ils ont construit des tours de défense. C'est plutôt pas mal. Un tour. Uruk s'est converti au christianisme aussi. Ça. Réponse à la demande acceptée. À quelle demande? Quelle demande j'ai? Quelle demande j'ai fait au Brésilien? Quelle demande j'ai fait au Brésilien? Non, mon Spartiate! Non, mon Spartiate! Il est reparti vers le nord. Alors, du coup, toi, tu ne bouges plus. Tu peux venir ici. Je vais venir là. J'ai 94. J'ai 94. Ah, je peux faire des olives. À Tripoli. À récolter. Plantation. Olive. Très bien. Ce qui veut dire qu'à Tripoli, on a deux olives qu'on peut transformer encore en huile. Donc on va avoir un surplus d'huile. L'huile, ça apporte quoi? 8 de nourriture et 3 de richesse. On pourrait exporter de l'huile. Je vais faire... Attends, je vérifie. Je vais faire... Cuve. Raisin, rivin, c'est pas ça. Presque. Poste de sillage, c'est quoi ça? 3 rondins en 4 de production. 3 boîtes de construction.
vers le pressoir à côté de Reims. Du coup, à Tripoli, on a ça. Après, il y a une condition non remplie, on sait pas trop. Exportation étrangère, il faudra qu'on construise pour un marché pour exporter à l'étranger. Enfin, dans le pays. Ça me plaît vachement quand même. Attaque pas, mais l'Allemagne propose une alliance. Je refuse. Ah. Ok. Tripoli, la tour est terminée. On va construire la tour de garde. Ah, il y a besoin de... Ah, il y a un besoin de foie aussi déjà là. Ça marche pas beaucoup. Je vais faire un abus parce que ça se propage vite. 25 tours, c'est extrêmement long. Je vais préparer l'abus pour la semaine. Et je vais pas répondre à la demande de logement, comme ça, ça va limiter la propagation. On va attaquer là. Très bien. 40 en ingénierie ou 40 en XP de guerre. Je vais prendre le 40 en XP de guerre. Comme ça, ça me permet d'aller chercher croisé et s'approcher de ça là. Parce que c'est long, hein. 125, 160. Après, là, on va faire une guerre, donc ça va aller plus rapidement. On construit notre petite cité par ici. Très bien. Toi, tu t'es fait attaquer, mais tu continues. Les craintes. Et les archers. Très bien. Région inactive. Lutèce, on refait une catapulte. Voilà, non, on refait pas de catapulte. J'en ai déjà deux, pardon. Je pensais pas que c'était fait. Ah, attendez. Je refasse un bilan. Ici, c'est bon. Ici, la catapulte qui est là. Ah non, c'est la catapulte qui est... Attends, mais j'avais pas envoyé une catapulte là? Elle a dû revenir. Elle a dû revenir suite à un bug quelconque. Parce que c'est juste pas normal en fait. Très bien. Et toi, c'est pas pour l'armée qui est là. Les séparer. Du coup, je refais une catapulte, c'est bien ça. Vache, ce jeu. Bah, c'est bien aussi parce que je suis en train de préparer mon armée. Une alliance avec les États-Unis? Je refuse. On refuse. Une nouvelle cité. Alors, on va rapidement construire ici, tac, un petit pâturage pour aller chercher la nourriture. Petit pâturage. Ah, je peux passer au prochain tour. Au prochain tour, pas de problème. Pas de problème. Là, c'est les archers qui vont aller là. Et là, cette catapulte-là, je vais l'envoyer ici. Celle qui est là, je vais l'envoyer là. Ouais. Normalement, avec ça, on est pas mal.
Ah, nouvelle technologie, on peut construire les bâtiments qui apportent de la foi. Ah bien. Bon, je vais pas passer à l'âge. Je vais aller chercher féodalisme parce que j'ai envie du coup d'avoir les citadelles là. Parce que je pense que c'est les citadelles qui sont nécessaires pour les avant-postes de château. Là, je pourrais construire le comptoir, etc. Et je pense que c'est vu que je vais passer en château. Ben, ça va être nécessaire. Du coup, là, théâtre. 100 pièces d'or, on pourrait finir. Vaste église. Ça apporte du coup. Je vais construire le théâtre, je vais le finir. On va améliorer en vaste église. Ça apporte du coup. 4 de christianisme, sachant que les besoins sont à... Ce sera déjà ça. Ça fera 8. Ah, c'est à cause du reliquaire. C'est à cause du reliquaire qu'on a construit. On va renvoyer le... Alors attendez, là on a fini la catapulte. Non, normalement catapulte on est bon. J'ai plus besoin. Maintenant on se fait une arbalète, un chevalier de l'ordre, plus le spartiate. Et normalement on est pas mal. Normalement on sera pas mal. Rester hostile avec le Brésil, évidemment. Pas nous la faire à l'envers. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Là, je vais prendre un spartiate. Alors, attendez, parce que du coup, peut-être trop de spartiates là. Là, il me manque quoi là? Il manque la catapulte et une épée longue. Il va avoir la catapulte, j'ai l'épée longue, il me manquera un arbalétrier. Faut que j'en enlève un, on verra, au pire on le laissera à la maison. Catapulte et arbalète. Peut-être essayer de soigner en même temps. On va construire le petit pâturage. Comment ça je peux pas? Pourquoi est-ce que je peux pas? Ah bah non, parce que c'est pas intégré encore. Ouais, pardon. Faut qu'on zappe ce détail. Los Angeles. Bon, du coup, ça confirme qu'ici, on est vraiment... que tous les quatre. Nutès, l'arbalète est fait. Un chevalier de l'ordre. Je vais prendre toi et toi. Je vais sortir ici. Il y aura le spartiate qui va venir là. Ça fera 3. 1, 2, 3. Le chevalier de l'ordre, ça fera 4. Et puis on pourra ajouter encore un spartiate, celui qui est en train d'arriver là. Ça me semble plutôt pas mal. Pour l'instant on est en 1200 après Jésus-Christ, donc on n'a pas encore les moyens de découvrir le nouveau monde. Hein. Le spartiate qui va venir s'ajouter à cette armée là. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Pas mal. Prêt.
Je pourrais faire un Eureka. Qui est arbalète. Mais je vais plutôt faire une nouvelle ville. Là, je peux pas encore passer au rang suivant. Ça, on est un peu déçu. Je pense que je vais faire ma ville ici. Pour qu'il aille exploiter le poisson. Dijon en bord de mer. Et j'ai presque envie du coup de tenter un pionnier que j'installerai dans la forêt. C'est genre là. Parce qu'après, le truc c'est que je sais pas si ça se propage énormément ou pas les villes. Est-ce qu'à un moment on arriverait jusqu'au raisin ici? Aucune idée. Mais je tenterais bien pour envoyer potentiellement du bois. Ouais, je vais le faire. Du bois à Marseille. On est là pour apprendre à jouer. La balance. On va l'installer. De toute façon, Syracuse, ouais, le problème c'est que ça va être à côté de Syracuse. Mais, Ah, mais il y a l'Esna aussi là. Vous, vous attendez. Toi, t'es là très bien. Là, il nous manque le chevalier. Qui se fait dans un trou. Vous, vous attendez parce qu'il y a des renforts qui arrivent. On va être surpuissant, je vous le dis. J'espère qu'il y aura des remparts en pierre qui va nous faire galérer. Parce que sinon, j'ai quand même un petit peu peur. J'ai quand même un peu peur. Bah après, ça peut pas être juste des cités barbares à attaquer, hein, c'est sûr. 103. Je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Ça va peut-être faire une route en plus qui va traverser là et là. Là plus la catapulte, toi tu seras bon. Quoi? Là. Ici du coup, c'est pour là-haut. J'ai 11. Dans 6 tours, j'aurais presque pu faire un Eureka en vrai. Et je veux pas changer la spécialisation maintenant parce que... Enfin, si, je pourrais le faire, ça. Mais je veux pas construire pour exploiter. Parce que j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie de voir si les citadelles fonctionnent. Je vais voir Lutèce, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on pourrait produire éventuellement. Bah, rien. L'étoffe. Ouais, ça c'est bon. Charbon, on fait rien avec ça. Ça, on fait rien avec ça. J'ai deux rondins de bois. On pourrait fabriquer du papier. On pourrait fabriquer soit du papier, soit partir du coup sur la fosse de sillage. Trois rondins en fait, il nous faut. Bah, je vais attendre. Je vais pas le faire ici. Enfin, ici, je vais plutôt faire de la production. La viande, on n'en fait rien. Et le thé, on n'en fait rien. Les arbres, on n'en fait rien. Et la caisse, on n'en fait rien. Du coup, ça s'est fait. Je vais voir Tripoli. Tripoli, on était bon aussi. Bien que j'ai encore deux raisins que je pourrais faire en huile. En fait, je peux faire full huile de cuisine, là.
Ah non, en tonneau. Attends, mais je peux pas avoir deux productions de vin. J'ai un seul là. Ah mais oui, si, forcément, parce que j'importe. J'importe, ouais, donc ça c'est bon. On fait le tonneau. Et ça, bon, on sait pas trop. Ok. Pardon, Marseille. Marseille, Marseille. Là on est bon. 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 Ah, on pourrait faire du marbre. Marbre, on pourrait faire. J'ai deux de marbre. J'en ai un utilisé. J'ai deux de marbre. Ça porte deux de marbre, ça. Pourrait fabriquer atelier de sculpture, c'est deux de calcaire ou un de statue. C'est pas assez. C'est pas assez. Parce que du coup, on fait de l'argile. Ah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer ici. Toi, tu vas te décaler là. Ok. Toi, tu arrives ici. Très bien. Alors, à Lutèce, pardon. Excusez-moi, on se perd un peu, mais on s'en sort. Là, on est à 1, 2, 3. Plus lui qui arrive, 4. Il nous faut un chevalier. De l'ordre. Très bien. Je pense qu'on est en train de se faire rattraper par les autres parce que j'ai pas eu beaucoup de villes, en fait. Après, ils sont en guerre. Ils sont en guerre. Faut pas oublier. Cette armée est pleine. On va s'attaquer là-haut. Celle-là s'attaque ici. Celle-là qui est pleine. Elles sont pleines. Hein. Celle-là attaque ici. Et celle qu'on est en train de faire là, où du coup on a le Spartiate là qui est en train d'arriver dans 3 tours. Plus le chevalier qui arrive au prochain tour. Nos armées seront prêtes. Ah, ah oui, et puis il y a ça aussi. Ça. Ah, ça marche. Essayez de rentrer tout doucement. Envoyer un cadeau dans ce monde, plein de dangers. Avoir des amis est important. Comment ça, envoyer un cadeau? Ah mais le Brésil, on n'est pas potes. Hein. Il m'a envoyé un cadeau, mais on sait pas quoi. Lutèce, on a fini de construire notre armée. Du coup, on va... non, je vais me faire une armée de chevaliers. Je vais me faire une armée de chevaliers. 5 chevaliers qui vont se balader à droite à gauche pour éliminer les troupes qui se promènent. On peut, hein, de toute façon, on a ce qu'il faut. Là, on va construire, du coup, l'avant-poste. Voilà, parfait, ça, ça fait ce que je veux. Donc là, putain, non, on ne peut pas construire. Ça me dégoûte, on ne peut pas. Pas grave. On l'envoie où? On l'envoie à Lutèce. Ça me sert à rien. Je vais l'envoyer à Tripoli plutôt. C'est Tripoli qui produit ça. Oula! Agitation! Oula! Tripoli! My bad! Attends, viens là. 14, ouais, ça va vite descendre. Ah ouais, on avait oublié ce détail à Tripoli. Il faut qu'on installe des... les gardes. Les gardes de la cité. Pas mal.
Là, on est à moins 17 parce que les unités en garnison, quoi. Ouais, ok. Bon, toi. Là, c'est là. On va les ramener. Hein. On va les ramener, on va les ramener. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Le jeu est trop bien. On s'est clairement préparé. Bien préparé. Et là, on part à la guerre, quoi. Là, on va partir à la guerre. On a 4 armées qui peuvent conquérir des villes. En tout cas, les villes simples comme ça. Pour les villes fortifiées, on n'a jamais vraiment fait. Donc, il faudra voir ce que ça va donner. Brasilia, on arrive. Et vu la prod, oh, ça va être très très sympa de le récupérer. Ce sera dans la prochaine vidéo. On entame la guerre. On est prêt. Et on a le féodalisme qui arrive dans 4 tours, ce qui va nous permettre de passer en château ici. On pourrait, hein. Et de voir si ici, du coup, on peut construire une citadelle. Chose qu'on peut pas faire une fois qu'on est le temps qu'on est château. Diplomatie, on est au max. Alors, c'est 200 points de diplomatie. Il faudra qu'on fasse quelque chose. Faire un marchand. On va faire un petit marchand. On va installer. Vous avez utilisé un peu de points, c'est parfait. Rendez-vous dans le prochain épisode. Merci à vous d'avoir été là. Bisous à tous, bonne journée. Et à la prochaine. Allez, tchou.